Bonjour à toutes et à tous, la paix, je vous envoie un petit documentaire sur Vincent Bolloré et la Bretagne, à comprendre pourquoi aussi les Bretons soutiennent ce mouvement des Gilets jaunes, à savoir la voiture électrique, à savoir les usines qui vont être bientôt développées en Bretagne. La voiture électrique et les Bretons. Encore une autre histoire. Bon visionnage. Vous avez inauguré il y a quelques jours à Hergé-Gabéric dans le Finistère une usine qui produit des batteries électriques pour votre Blue Car. Quel regard vous portez, Vincent Bolloré, sur les récents événements dans votre région de cœur, ce qu'on a appelé ce début de révolte des Bonnets Rouges? Ben, c'est malheureusement une période qui correspond à un grand trouble économique. C'est pas les Gilets jaunes. C'est une région qui... à la fois dans son industrie et dans son agricole, se trouve en grande difficulté. Et les gens qui se révoltent aujourd'hui, c'est des gens qui sont au bout et qu'il faut aider. Il faut les aider, mais est-ce qu'on s'est trompé sur l'industrialisation de la Bretagne? Est-ce qu'aujourd'hui, vous, par exemple, vous seriez prêt à racheter GAD, par exemple? Est-ce que vous miseriez sur GAD? Moi, je crois que les problèmes alimentaires vont devenir très importants dans le futur. Tout le monde, aujourd'hui, n'y accorde pas d'importance parce qu'il y a une profusion des produits alimentaires. Mais nous allons avoir 2 milliards de plus de personnes dans les 20 ans, et un jour, on aura vraiment besoin de ces produits alimentaires, et donc il faut aider les agriculteurs et tous ceux qui sont autour de la filière. C'est indispensable pour notre sécurité alimentaire. Donc il faut se battre pour l'agroalimentaire en Bretagne, c'est pas fini, c'est pas mort là-bas? Ah, il faut pas que ce soit mort, parce que sinon c'est la France qui mourra, et vous aurez un jour un problème pour vous nourrir, c'est pas dans 50 ans. On avait dit qu'il y aurait des problèmes de pollution, maintenant ils sont là. Et je vous dis qu'il y aura des problèmes alimentaires, et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser tomber la Bretagne. Et ça veut dire que vous êtes prêt à miser sur l'agroalimentaire en Bretagne? Vous êtes prêt à racheter GAD? Moi, par si je pouvais miser, je le ferais, mais vous savez, des moyens, mène son... non, mais chacun mène son combat, il faut aller dans les métiers qu'on connaît. Nous sommes dans le stockage d'électricité, qui est à la fois la transition énergétique et la pollution. Mais je soutiens bien sûr tout ce que je peux dans le domaine alimentaire autant que je peux. Donc ceux qui disent qu'il n'y a plus de place pour GAD, pour l'élevage, l'abattage en Bretagne, ont tort selon vous? Absolument, absolument, ils ont tort, et ça leur retombera sur le nez un jour parce qu'ils n'auront plus de bonnes choses à manger. J'imagine que les salariés de GAD et des autres sociétés seront sensibles à vos propos ce matin, Vincent Bolloré. L'écotaxe, est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que comme la plupart des politiques finalement aujourd'hui, vous dites il faut la reporter ou au mieux même l'annuler, cette écotaxe? Moi, vous savez, je ne fais pas de politique, je ne connais pas bien les grands problèmes macroéconomiques. Bien une gueule de breton. Chez ceux qui produisent nos éléments pour nous nourrir, ou ceux qui les transportent, devraient être aidés plutôt que taxés. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à taxer que ça. Donc ce n'est pas une très bonne idée, notamment pour la Bretagne, là encore. On sait et qu'il y a une réunion ce matin avec Jean-Marc Ayrault. Et les autres régions, vous avez besoin d'industrialisation, d'emplois et de gens qui continuent à travailler. En même temps, Vincent Bolloré, c'est la même logique que celle qui vous fait dire aujourd'hui arrêtons de polluer, passons à la voiture électrique, l'écotaxe. Mais les agriculteurs ne polluent pas, c'est une absurdité. Les agriculteurs, au contraire, ils protègent la nature, sont les premiers gardiens de l'écologie. Le jour où vous n'avez plus d'agriculteurs quelque part, vous avez à nouveau des ronces, des bêtes. Ce sont les premiers gardiens de l'écologie, ils devraient presque être rémunérés pour ça. Oui, mais l'écotaxe sert à changer les moyens de transport, aller plus vers le fret, oui, plus vers le train. Peut-être, mais c'est pas une raison pour aller taxer ceux qui... Plus vers le bus électrique. ...et ceux qui les transportent. Il y a plein d'autres choses, les particuliers... Il y a des mannes beaucoup plus ouvertes que celle-là. Tout à l'heure, Vincent Bolloré, votre solution, Blue Solution, qui fabrique les moteurs électriques de la Blue Car et donc qui équipe Autolib, cette société va faire son entrée en bourse, ça sera coté, je crois, à partir de demain. Honnêtement, Vincent Bolloré, si vous n'aviez pas ce caractère déterminé qu'on vous connaît, est-ce que vous n'auriez pas lâché en cours de route sur la batterie électrique? Au début, tout le monde se moquait de vous, tout le monde ricanait. Oui, mais si vous voulez, c'est pas le problème. Le problème, c'est que... on se rend bien compte que vous avez des éoliennes, que vous avez des panneaux photovoltaïques qui sont installés un peu partout dans le monde, et que leur problème, c'est qu'il n'y a pas forcément du soleil quand il y a des besoins d'électricité. Par exemple, le matin, où il y a les pics d'électricité, les pics de demande, il n'y a pas assez de soleil, et le soir aussi, où il n'y a plus du tout de soleil. Donc il faut un élément de stockage intermédiaire qui permet de conserver cette électricité. Et au passage, ce même élément qui s'appelle une batterie va pouvoir être mis sur une voiture, sur un bus, sur un tram, et avoir des villes dans lesquelles vous n'aurez plus d'émissions de gaz carbonique, ce qui est quand même un progrès pour l'humanité. Vous l'avez vendu où aujourd'hui, cette batterie? Eh bien écoutez, chaque fois qu'on s'est présenté, on a gagné pour l'instant. L'Île-de-France, lancée par Bertrand Delanoë, le plus gros concours mondial, pratiquement 3000 voitures demandées, et nous avons aujourd'hui 106 000 abonnés, plus de 3 millions d'usages par an, donc un succès formidable. Lyon, qu'on a ouvert il y a quelques semaines, et puis Bordeaux, que nous ouvrons en janvier, puis nous faisons le premier pas en dehors de France, vers l'Amérique, Indianapolis, et puis ensuite nous allons en Asie, et puis j'espère qu'on va couvrir le monde de ces voitures qui font ni bruit ni odeur, donc
il faut les essayer, vous savez, tout le bruit et l'odeur. Mais pratiquement, c'est un donc vous voyez, ma première vidéo qui était consacrée à... Alors, c'était bien avant le début de la Resurrection. qui était consacrée à l'énergie, la Siri, l'énergie, la voiture électrique. Question à se poser, Monsieur Bolloré, is in the place to be. Vous comprenez que il y a forcément une ramification. On va parler en anglais maintenant parce que nous allons devenir tomorrow whole American. You understand? Alors, voilà. J'espère que je vous donne doucement de l'information. Je suis dans la réinformation. Je vous laisse ensuite aller à vos occupations vers la déduction. Bye bye, cher, sur le 2.0. Ciao.